Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes toujours en guerre contre les Azeraï et la Batanie là-bas. Donc là-bas je dois dire que je m'en fous un petit peu. Où est-ce qu'ils vont? Au château de Lanok. On n'est pas en guerre contre eux, non? C'est où Lanok? Ah mais d'accord, ils vont jusque là-haut, donc ils m'abandonnent. Il me reste 376 points. Est-ce que j'aurai assez? Je pense qu'il reste que des châteaux. Enfin, un château là. Une ville et un château ici. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pense que je devrais quand même récupérer ce château. Le dernier château qu'il me reste. Ah mais je suis rasé, c'est vrai. Avec le château de Sahel. Est-ce que déjà il n'y a que deux armées, ça devrait le faire. Est-ce que j'aurai assez de points d'influence? Alors, on va regarder. Sinon, ça fait 40 points, c'est trop. Donc ça, ça. Celui-là, on va dire que je peux me permettre 100 points d'influence. Approximativement. Un jour, un jour, un jour. 5h, 22h, donc 2 jours à peu près. 2 jours, 11h, ça va faire beaucoup. De toute façon, c'est trop cher. Et 50. Qu'est-ce que je peux bien faire? Parce que là, ce serait vraiment limite. Il va m'en falloir en tout cas un, voire deux quand même. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Un jour 20h. Un jour 23h, mais 44, c'est quand même trop. On va prendre. Allez, 113. On va prendre ces deux-là. Et puis on va se diriger directement au château. J'espère qu'ils vont pas trop attaquer ici, là-bas, s'attaquer. Mais c'est déjà. Ils ont déjà réussi le pillage. J'avais abandonné la dernière fois, forcément. Toutes les troupes du coin ennemi. Voilà, avec la Batanie. Oui, vous pouvez faire la paix, il n'y a pas de souci. Tant qu'on reste en guerre avec les Azeraï, ça me convient. Alors, ça, c'est bon. Je vais déjà vérifier, donc 132 pour moi. Ben lui va me déranger, je pense. C'est qui? Hurundulf. Est-ce qu'il est avec moi, Hurundulf? Il est avec moi, je pense que les trois sont avec moi. Il est pourchassé. À 5-3 de vitesse, 5-2, laisse tomber. Allez, rejoignez-moi, on a 334. 414, 506. Toujours à 5-2 de vitesse. Où est-ce qu'on en était avec mes fiefs là? Du 003 là, Ubi machin là, c'est pas bon. Il y a Razi, ça réaugmente. On va attendre encore un petit peu, j'espère que ça va aller. Parce qu'il me reste combien de personnages exactement? C'était où qu'on voyait ça ici? Non, je suis au max. Il me reste, il me semble, 200 points, à peu près 198, avant de passer au niveau suivant. Ouh, ouais, c'est bon, ça peut le faire. On est juste un peu moins. On n'est pas plus que. Ouais, on n'est pas deux fois plus nombreux, mais on n'est pas loin. Enfin, si, quand même, un petit peu. Je sais plus ce que j'ai fait là. D'accord. Non, c'est pas grave. Hop! Une offre de rançon, non. On attend que ça passe. On n'est que 506. J'espère que ce sera suffisant. Et après, j'aurai encore un petit château attaqué par là-bas. Non, plutôt là-bas. Après, on va passer à l'ouest. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. On y croit. Bon, je monte toujours là, 49 en ingénierie. Encore un niveau et je vais pouvoir, il me semble. Je vais voir ça tout de suite d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Niveau 50. Allez, la deuxième. Je suis passé niveau 50, je vais vite. Qu'est-ce qu'on a ici? Les engins de siège à distance sont 25% moins susceptibles d'être touchés en bombardant des colonies. Les chances que les prisonniers s'échappent des oubliettes sont réduites de 25%. Les engins de siège à distance ont 10% de points de vie supplémentaires dans la mission également. La colonie octroie une catapulte supplémentaire au début de siège. Je vais prendre celui-là. Il me reste encore un point d'attribut. Je verrai ça après. Faut juste que je remette. Faut que j'enlève la pause. Moriana des Azerai a été capturée par les Azerai. Ok. S'ils se font la guerre entre eux, c'est bien. Ok. Alors, menez l'assaut directement, on y va. On perd pas de temps. Autodéploiement, et on y va. Et j'ai oublié de prendre mon arc, encore une fois. Là, j'y pensais vraiment plus. Donc, ça sert à rien que j'avance comme un dératé. Ah, c'est dommage. On va voir comment ça se passe. Bon, c'est chez moi qu'il y aura des morts en premier. Quoique. Ouais. Un blessé. Ah, c'est bête, faut vraiment que je reprenne mon arc. La prochaine fois, si j'y pense, ça serait bien. Ah, on a tué deux personnes, un ennemi, c'est bien. Continuez comme ça. Pas forcément une bonne idée de se mettre derrière les troupes. C'est par là que les catapultes ennemies devraient viser, je pense. Ouh, elle a pris cher. Ok. Le bélier est foutu. Attention les troupes. Non, ça va. On a eu que des blessés pour le moment, ça va bien. Ouais, c'est les grands. Ils ont une grande muraille. On a deux morts, 20 blessés. Ouh là, ça commence à devenir égalité là. Hein. 351 contre 332. J'en ai déjà perdu pas mal, il me semble. On était 500 et quelques. Pour quelle raison est-ce que je n'ai pas la totalité de mes hommes? Allez savoir. 342, ça baisse, ça baisse. Allez, bon, bah, tant pis pour toi le cheval, tu vas subir je pense. Je vais pas y aller tout seul comme un fou. Je peux pas monter. Bon, on va y aller tout seul comme un fou. Bah, on va être deux, c'est bien. On est bien, on est deux. Je vais essayer avec ça. Allez, on va tenter quelque chose. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Oh bah non, c'était une mauvaise idée. Ok. Bon, ça va, ça monte. On va monter aussi. J'espère que je ne vais pas tomber cette fois-ci.
Les archers là-haut, va falloir se les faire. Il y a du monde qui attend en bas là. Voilà, c'est bon, là on peut y aller. Ouais, je vais me faire les archers là. Le seul problème, c'est que j'ai déjà perdu pas mal de vie. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Et merde. Bon, là, je suis quasiment mort. Ok. J'aurais tenté, j'ai loupé. Donc là, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Ah, on a quand même des renforts. Ok, donc ça va. Il n'y a plus qu'à attendre. J'ai fait un peu le con là, j'avoue. Alors, retraite au donjon. Moi, je peux rien faire vu que je suis trop blessé. J'envoie les troupes. Combien est-ce qu'on perd? 6 hommes. Mais je gagne quand même de la renommée. Le plus important, je prends les prisonniers. Pas grand monde à monter, mais on va quand même les monter, ok. Ici, je ne pense pas, quoique les chaussures, oui. Les chaussures, oui. Donc moi, c'est la même chose. Lui, c'est pareil. Et lui, il est gagnant là-dessus. Les bottes, on change. Le casque, c'est tout bon. Ok, le reste, on prend. On fait preuve de pitié. On va attendre ici un petit moment. On va voir si on peut récupérer le château également. Et ma foi, il va falloir que je réaugmente la cohésion. On va le faire tout de suite. 98, on est bon. Il me reste encore 319 points d'influence, c'est parfait. Ah merde, c'était quoi? Ah, ça c'est pas le mien. C'est pas grave qu'il le récupère encore une fois. Il me faut l'autre château. Celui-là. 62 pour moi, ça c'est bon. On attend un petit peu quand même, 68-69%. Ici, 34% pour lui. On va attendre encore un petit peu quand même. Et on va y aller. Apparemment, est-ce qu'il y a une armée qui a été dissoute? Oui, tout à fait. Est-ce que je vais pouvoir... 11h111, on va le prendre celui-là. Ah, oui, d'accord. Celui-là, on va le prendre. Il me resterait 300. Bah, je vais faire ça. Ça m'en fait quand même 311. C'est toujours ça de gagner. 311. Enfin, bon, bref. Plus de 100 personnes. Ce château, il est pour moi. N'empêche que je vais vite regarder. Ouais, alors là, forcément. On va mettre festival de jeu. Ok. On va attendre les autres. Il nous reste 509. Je crois qu'on n'a plus de blessés, que des prisonniers. Et je vais me diriger directement au château de Sahel. J'espère que je fasse de bêtises, voilà. C'était lui que je devais mettre. Bon, c'est pas grave. Ils sont 371 avec ceux qui devraient arriver. Ils sont déjà là? Ah, on est que 509 du coup. C'est un peu short hein, quand même.
Est-ce que je pourrais me permettre... Ah, je suis la seule armée, d'accord. Oui, je pourrais me permettre encore quelqu'un. 3 jours. Ça, c'est trop cher. 3 jours, c'est trop loin. 4 jours, c'est trop loin. 3 jours, trop loin. 3 jours, trop loin. Dis donc. 6 jours, mais dis donc. Les plus proches, ce sont les plus faibles. Bon, ils sont trop loin, c'est pas grave. On y va comme ça. On va tenter. Et on va voir ce que ça donne. Ce serait bien quand même de le récupérer. Alors ça, ça, ça et ça. Non, il n'y a pas de négociation. C'est parfait. En tout cas, on le roule dessus en ce moment. Ouais, il y a encore des rebelles de Kiaz. Esbeth Nahul. Ça va, c'est que... Oui, c'est bon. C'est pas grave, on va faire avec. C'est encore trop lent, je trouve. Il me faudrait quelqu'un, mais là j'ai trop de personnes déjà. Il va peut-être falloir que je remplace quelqu'un. Un de mes compagnons, je remplacerai par quelqu'un d'autre. Allez, on y va! Je vais remettre quand même un petit peu de cohésion. La colonie de Médénie. Pas grave. Allez, on mène l'assaut, c'est parti. On fait ça encore rapidement. Ah, mais c'est pas possible! À chaque fois, je pense au dernier moment. J'ai encore oublié de prendre l'arc. J'ai cru que j'étais à pied. Bon, c'est pas grave, on y va comme ça, ma foi. Qu'est-ce qu'ils vont... Ah, mais c'est joli quand même comme formation, ça, messieurs, bravo! Ça, c'est sérieux, ça. Un peu lent, mais sérieux. Enfin, non, c'est pas très sérieux, parce que ceux qui sont à droite vont à gauche, et ceux qui sont à gauche vont à droite. Niveau cohésion, on a vu mieux, hein. Perdu, non, ça va. Ouh, attention. Ouais, ils le visent, le bélier, quand même, hein. Ils en veulent pas, hein. On va pas rester à côté. Ça risque d'être difficile pour cette prise de château avec le nombre de bonhommes que j'ai. Je vais peut-être pouvoir récupérer un arc, une arbalète ici, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ouh, se défendre plutôt bien là. Et avec ce système de renfort, ça sent pas très bon non plus, pourtant on n'a pas 1000 personnes là. On va savoir ce qu'ils foutent eux ici. Ah ben d'accord, ils attendent ça. Est-ce que ça avance? Le bélier avance toujours, ils l'ont pas cassé. Il y a pas mal d'archers quand même, ennemis. Je vais rester ici tranquillement.
Restons à l'abri. 314, on a déjà perdu 16 personnes tuées et 38 personnes blessées. Là, ça tombe beaucoup là par chez nous. Là. En même temps, ils restent là comme des imbéciles. Il y en a qui tirent pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Je viens avec vous. Je vais prendre le flanc droit. Bon, ça va chier. Bon, il y a encore un bug, hein. Un bug d'affichage. D'accord, ouais, viens, 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 viens. Mais cela faut que j'ai calme là vraiment. Heureusement qu'ils sont un peu cons. Ok, ça c'est fait. Pas vu. Je regardais ailleurs. 215. C'est bon. Parfait. On est quand même bon là. Ils sont en train de fuir. C'est quand même joli tous ces morts. Laisse courir. Parfait. Retraite au donjon, et cette fois-ci, je vais pouvoir y aller. Allez, c'est parti. I'll eat your liver. J'espère. Allez. Prends ça.
quand même du viol, hein. L'avantage de monter ses troupes. En plus, ils font la majorité de chez moi. Ok. Pas de blessés, pas de morts. Très bien, j'ai pris que les meilleures âmes, forcément. Ça aide beaucoup. Je pourrais recruter des prisonniers, mais c'est pas une bonne idée. Ça va baisser le moral. Ici, d'accord. C'est tout bon. Faire preuve de pitié comme d'habitude. Et j'ai quand même encore assez de points d'influence. Ici, on a quand même des blessés. On va attendre encore un petit peu. Non. C'est pas ce que je voulais faire. On va attendre ici un petit moment. Et là-bas, je crois que c'est tout bon. Les Azeraï n'ont plus rien. Ça, c'est pour moi. J'espère que je peux l'avoir aussi. Non, je ne peux pas. C'est bien dommage. Je vais voter pour personne encore. Hein. Je m'abstiens. Au bout d'un moment, il pourra se poser des questions. Je passe mon temps à m'abstenir. Mais j'ai peut-être déjà trop de fief. Donc, du coup, ils ne veulent plus me donner quoi que ce soit. La pénalité de vitesse de votre groupe lorsqu'il porte trop d'équipement est réduite de 20%. Augmentation des foyers de 20% dans les villages que vous gouvernez augmente votre endurance de 1. La colonie gouvernée gagne plus 1 de loyauté par jour. Hop. Ça, très important. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un moral élevé augmente le taux de soins de 15%, augmente la relation de plus 1 avec un notable aléatoire de plus de 50 ans quand vous êtes en ville. Augmente le taux de guérison de 20% lorsque vous vous reposez dans les colonies, augmente la relation de 1 avec un noble aléatoire de plus de 50 ans quand vous êtes en ville. On va plutôt prendre ça. Et puis il me reste encore celui-là. Augmente votre vitesse de déplacement en combat de 5%. La vitesse de déplacement des troupes d'infanterie et de la formation que vous menez est augmentée de 4%. Vos boucliers subissent 10% de dégâts en moins. Les troupes d'infanterie de la formation que vous menez subissent 10% de dégâts de bouclier en moins. Je vais te prendre ça. Il est vrai que j'utilise beaucoup une formation bouclier. Et je crois que c'est tout bon. Ok. Je vais attendre encore un tout petit moment. On va attendre quand même qu'ils augmentent à 50% de vie. Et je continuerai après. J'ai eu peur, c'est une sauvegarde. J'ai cru que ça avait planté. Mais Denis est encore attaqué, évidemment. On est toujours en positif, 2834 pour le moment. Donc, on va dire que tout va presque bien. 1886, ça descend. Ça commence à aller de plus en plus mal. On est à 62%, on va pouvoir y aller. Est-ce que quelqu'un a augmenté? Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'annule, oui. C'était celui-là que je voulais monter. Ensuite. Là, j'ai vraiment... j'ai trop de villes. Là, il va falloir que je commence à les gérer quand même. On va passer un peu la défense. On est qu'à 387. Votre colonie, Waltas. Mais ça va, tant que ça reste que des colonies, ça va. C'est pas les châteaux. Il en reste Sanala. Sanala. Je pense qu'ils sont quand même assez nombreux. J'aurais pas dû augmenter la cohésion parce que je voulais dissoudre l'armée. Pour le moment, ça me sert plus à rien. Je ne compte pas attaquer quoi que ce soit. Juste défendre mes villages. On a un sturgeon chez nous. Il va falloir que je recrute aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'il me manque? Cavalerie, infanterie. Alors, cavalerie et à distance. Une cavalerie. Des archers ici, je crois qu'on va pas en trouver beaucoup. Éloigne-toi de... Non. Stop there. Allez, on va envoyer les troupes. On va voir ce qu'ils valent. J'en ai perdu 3 quand même. Bah tiens, je n'avais pas lu 3, mais j'en gagne. Alors, je vais dans Bandit de Grand Chemin. Ah, quoique, il est pas mauvais, lui. Je vais en prendre 2. J'avais besoin d'archers.
prendre celui-là. On va prendre ceux-là. Là, je vais en prendre 3 comme ça aussi. Les prisonniers. Ici, on va monter tout cela. Arc 30. Oui, non, ça c'est bon. Ok. Ah, mais oui, j'ai pas d'arc, oui. Mais j'en ai plus besoin maintenant. Forcément. Hop. Maintenant que j'y pense. C'est quand j'en ai plus besoin. Je ne compte plus faire d'attaque de fort. Donc. Il y avait quel. Alors, ça, c'est déjà fait. Medini. Medini. Je pense que c'était brûlé déjà. Celui-là, on va lui laisser en paix pour le moment. Ah, Medini, tiens, encore. Là-haut. On va déjà tenter de sauver ce village-là. 41-51, ouais, donc maintenant c'est des archers qu'il me faut. Il fuit pas, il reste encore ici. On va des défenseurs, on va se battre malheureusement en plein village. Je déteste ça, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. On va les mettre là. C'était peut-être pas forcément une très bonne idée. Ceux-là, on va les mettre en bas. Voilà. Et moi je suis là. Ok, bon allez c'est parti, on va voir comment ça va se passer. Une attaque de nuit. Ils sont 72 il me semble. Alors je vais faire avancer ici. Get moving. Archers. Move out. Cavalry. Onwards. Horses. Forward. On va essayer d'aller par là-bas. Tiens, tiens. Toi déjà. Hop. Toi aussi. Toi aussi. Ah non. Ils avancent, un petit salopard. Hear me. Move. Move out. Allez, la cavalerie à l'attaque. Tout le monde à l'attaque. Ça va être un peu le dawa. Laissez-les-moi tranquille. J'en ai perdu 4 hein, quand même. Infanterie, sergent, vlandais. Il y a un garde du palais Mamluk. Bon, le garde du palais Mamluk, forcément, il n'a pas de bouclier. Les prisonniers, j'en ai déjà beaucoup. Archers miliciens. On peut pas les monter, ça ne m'intéresse pas franchement. Ok, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, allez. Toc. Et toc, allez. Ça. C'est tout bon, j'ai bientôt à les vendre aussi. Il me semble que je me suis fait pas mal de... Pas mal de stuff, on va dire. Tiens, celui-là, t'as les où toi? On va défendre celui-là. Cette fois-ci, j'envoie les troupes. J'en perds un. Non, mais j'en ai
faut déjà. Les moins chers, ceux-là. Oh. Épaulière d'écailles renforcée noble. Ouais. Non, je vais pas le prendre celui-là, je vais le donner à quelqu'un d'autre, à lui. Et ensuite, on va donner... Ouais, je commence à avoir beaucoup, beaucoup de choses quand même. Ah bah, ils ont tous mieux. Ok. Mais Denis est sauvé. Il revient à la charge. Ouh, dis donc, ils vont où, le... Ouh, tétieu. Ça commence à faire beaucoup, là. Allez, il va falloir que je recrute. Évidemment, là, il n'y a personne. 41, 47, 36. Donc, un peu d'archer et un peu d'infanterie. It's been a while. Ils sont qui 47. Allez, vas-y, j'envoie les troupes. On va pas perdre de temps. J'en ai quand même perdu 5. Ouh, mais à chaque fois... Ah bah, dis donc. Ça commence à bien faire. Faut que j'arrête de les envoyer. J'aurais dû regarder ce qu'il y avait comme troupes. Qu'est-ce qui reste? Ok. Attends. 37, donc ça fait 39 une cavalerie, et puis encore à distance. Alors, une cavalerie. Il m'en faut à distance. Un peu de ça. Ok. Il me semble que j'avais des archers montés. Ouais, 3, ça j'aime pas du tout. On va les stocker à Askar, peut-être. Ça sera ma future capitale. L'archer n'a pas beaucoup, hein. Gérer la ville. Non, faut. Quoique. Je peux mettre un peu de sous. 77 en loyauté, on gagne un petit peu. Je suis censé... Ah mais c'est en voir. Je suis censé gagner 1 en tout cas. Enfin bon bref. Là j'ai encore beaucoup de construction à faire. Donc là on est bon. Se rendre au donjon, garnison. Et j'aimerais me virer là ces archers là qui me servent à rien. Enfin c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que ça me plaît pas du tout. Ah oui, et je voulais vendre aussi. Et pas que ça. Alors déjà, ce que je vais m'occuper... C'est les oubliettes. Non, c'est faux. C'est l'inverse que je voulais faire. Non. La taverne. On revend tout. Ensuite, ici. J'ai ça, ok. Ensuite, on avait quoi ici? On va regarder les épaulières, les chaussures, le casque. Le reste, ça, on peut vendre. Ça, on va garder. Ici, de la nourriture, s'il y a, je garde. Ok. On veut revendre tout le reste. Ça fait 37 000 quand même. J'arrive à 600 000 et on est bien en positif, là c'est bien. Et à part ça, je crois qu'on est quasiment tout bon. Il y en a juste un qui est blessé, mais c'est pas grave, tant pis pour lui. Maintenant, il va falloir défendre un petit peu tout ça. Il va falloir que je m'occupe également un petit peu de mes fiefs, parce que là on perd de nouveau, hein. Ubiar, c'est quoi ça déjà, Ubiar? Ubiar, c'est ça. Ah non, ça faut pas perdre, il faudrait que je fasse quelque chose là-bas. On va se diriger par là-bas après.
On va déjà défendre un petit peu ce qu'on peut. Si c'est encore possible, évidemment. Abgan. Ils sont que 32, mais moi j'ai pas envie de me faire chier. Est-ce qu'on peut envoyer mes troupes sans perdre quoi que ce soit? Non, on ne peut pas. Héros batanien, garde du palais mamelu qui est quitte impériale. Ok, donc ça c'est bon, c'est pas bien grave. On prend les prisonniers, ça on laisse. On augmente tout ça et on continue. Ça fait toujours quelqu'un en moins qui nous emmerde. En fait, là, je vois rien. Bon, alors avec les pillards, vous n'allez pas me dire quand même que vous allez perdre là aussi. Ça, je vais mettre des fouets, hein, je vous montre pourquoi. Non, ça, je les prends pas. Ça ne vaut rien, mais c'est pas grave. Ok, allez, on continue par là. On va vite en ville. Ubiar. Encore Abgan. Mais ils s'attaqueront toujours à Abgan. Tous, là, dis donc. Tant qu'ils sont pas prisonniers. Alors, rondojon, oubliette, gérer les prisonniers. On va prendre tous ceux-là aussi. Là. Oui, ça, c'est pas grave. Je les revends. Ici. Merci. On va également... On va vendre tout ça. Je voulais gérer la ville. Alors, vous voyez, on est à moins 0,13. Sécurité, prospérité, garnison. Ok. Vous voyez, tâche de colonie. En nourriture, on est bon. Mais on est bon. Si je te mets ça. Toujours à moins 0,13. En fait, ce festival de jeux quotidien, ça, j'ai eu l'impression que tant que c'est la merde, ça fait rien du tout, ça. Bon, c'est pas grave. Pressoir à livre. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Ça, c'est quoi? Est-ce qu'on... Du lin brut. Non, c'est pas vraiment ça. C'est ça, là-bas? Olive, ok. Et olive, ce serait au château... Le Yamaye, ok. Pressoir à livre, c'est pas mal, je pourrais peut-être l'acheter, le pressoir à livre. Non, qu'est-ce que je dis, c'est pas le pressoir à livre, ça. Si, pressoir à livre. Mais je suis pas sûr que ça vaut quelque chose, mais bon, je vais quand même tenter d'acheter cet atelier. I am at your service. Je souhaite acheter ça pour 22 257. Vas-y. Et puis pour le moment, de toute façon, je vais pas gagner grand chose. Hein. Autre atelier, je peux en avoir 4. Il va falloir attendre un petit moment de toute manière. Ça, on s'en fout. Les prisonniers, on en a plus. Ok. Donc, il y a eu les tâches ici. Les artisans et une bande a besoin de recrues. Ok, donc les deux ça m'emmerde. Les artisans ne peuvent revendre leurs produits à Ubiar. C'était quoi déjà cette quête? Bon, je vais aller voir quand même. I offer you my loyalty. Vas-y, c'est quoi ton problème? On peut dire ça, je travaille tout le matin jusqu'à tard le soir et pourtant j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vendre mes marchandises à prix correct. La loi stipule que je ne peux vendre qu'aux marchands locaux. Il y a des prix fixés d'avance sur de surcroît. Donc même quand les tarifs généraux augmentent, je ne peux pas gagner plus. Ah bah, c'est la loi, c'est comme ça. Oui, monseigneur, tous les artisans des environs... lutte pour vivre en ce moment, à cause de la loi stipulant que nous ne pouvons vendre nos marchandises qu'aux marchands locaux, ni à prix fixé, même qu'aux états généraux, ni rien. Nous vous serions très reconnaissants et pourrions même vous donner 2000 en guise de remerciement. Y a-t-il un autre moyen de résoudre ce problème? Si vous parvenez à livrer 60 tonneaux d'olives à mon contact,
que vous trouverez Razi, cela m'aidera à survivre un moment. Les marchands de la ville seront sans doute furieux et pourraient même porter l'affaire en justice. Mais avec un peu de chance, vous n'aurez pas à vous en soucier. J'ai l'impression que ça va foutre la merde. Peut-être pourriez-vous demander à plusieurs de vos hommes d'y apporter mes marchandises et de ramener des bénéfices. Ça devrait pas mobiliser plus de 9 de vos hommes ainsi qu'un lieutenant doué en commerce. Il peut faire l'aller-retour en environ 8 jours. Je vais voir ce que ça donne. J'ai apporté ces marchandises. Ah voilà. Oui, mais les lois. Hein? Sous couvert de la loi, c'est en réalité du vol pur et simple. Je ne vous donnerai rien. Je suis à combien avec lui? Relation 1. Ah! Et si je fais ça, je perds avec l'autre. À compter de 4 pour atteindre 5, et puis l'autre, je perds. À compter 3 pour atteindre 9. Un décru de 5 pour atteindre moins 5. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je suis à moins 5 avec lui, quoi. Bon. Ok. On va prendre ces deux. Pourtant, c'est ma ville, hein. Je fais un peu ce que je veux dans ma ville, quand même. Donc 38 cavaleries. Il me faut de la cavalerie et des archers. Maintenant que j'ai tout ça, sauf ce petit château à la con, mais bon, ils vont se faire mettre après. On va encore défendre cette ville, ce village. Il y en a un qui s'est enfui, mais tant pis. 58, je vais attaquer moi-même. Hein. Ah, j'ai perdu trop d'âmes. Et j'aimerais éviter d'en perdre quand même. Alors, ici, on est. Formez-vous correctement. Mais c'est pas possible. Voilà, merci. Et surtout vous. J'aimerais bien aussi que les ennemis puissent venir vers moi. Ce serait quand même assez utile. J'en ai encore un. Bon, ok, allez hop, on avance par là-bas. Les archers, par là. J'ai vu que c'était une catapulte. Allez, dites-moi qu'ils approchent là. Ils ont l'air de venir, en tout cas pour le moment. Il va falloir les avancer plus que ça va pas le faire là. Cavalry! Forward! Soldiers! Get moving! Arrows! Onwards! Raiders, hear me! Move! C'est bon, ils arrivent. Cavalry! Bon, ça va, je l'ai fait tomber de cheval. Et les autres ils fuient. Ok, on a perdu rien du tout, juste des blessés. Ça me va très bien. Merci de votre aide. Ah, ils étaient prisonniers peut-être.
Peut-être. Tant mieux si c'est le cas. Et même mieux que j'en ai marre. 28, 28, ok. On va donner ça à toi. Ça c'est pareil. Et là t'as mieux. Ok. Non. Hop. Parfait, plus qu'à revendre. Et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il se fait l'heure. Alors, on va juste revendre tout ça. Donc déjà, donjon, oubliette. On va prendre tout le monde là. Voilà. À la taverne, on a qui ici? Vagabond Cusate. Elle ne m'intéresse pas. On revend les prisonniers. On revend ici. Merci, au revoir. 5900, ça va très bien. Est-ce qu'on a des blessés? On en a un léger. On a toujours les mêmes ici, c'est parfait. Ici, j'ai gagné un niveau. Également, arme d'ast. Augmente votre défense contre les dégâts de charge montés de 50%. La défense contre les dégâts de charge à dos de monture des troupes d'infanterie de la formation que vous menez est augmentée de 30%. Ça, c'est pas mal du tout. Vous attaquez à la lance ABC, inflige 3 fois plus de dégâts contre les boucliers. Les dégâts de bonus. Les dégâts bonus avec les armes d'ast des troupes de la cavalerie de la formation que vous menez sont augmentés de 30%. Je préfère la défense quand même. Et puis je pense que je vais augmenter après de niveau. Ouais, peut-être que je vais le faire maintenant. Alors il y aurait athlétisme qui serait utile. Cavalerie aussi. Alors, je vais juste déjà valider ça. Mais si je fais ça, ça change rien. Si je fais ça, ça change, mais va falloir que j'améliore quand même un petit peu tout ça. Commandement. Ouh, la renommée gagnée lors des batailles est augmentée de 50%. Ça, c'est pas mal du tout en fait. Oh, ça augmente rien du tout. Donc, ça me non, c'est pas possible malheureusement. Ah mais si, c'est juste que... Ouais non, bah non, ça me paraît bizarre. Médecine, qu'est-ce qu'on a ici de bien? Les unités de perdu en raison, déjà, est-ce que je peux? Non, on peut pas. Ici... gouverneur, consommation, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ici pour améliorer le moral du groupe? Améliorer la prospérité de vos colonies. Ouais, bon bah voilà. Hein. Et ingénierie, ouais... Ça c'est à fond. Qu'est-ce que je pourrais bien monter? Je pourrais monter ça. Hein. Ça ne monte rien. Ça ne monte pas assez. Et ça, il faudrait que je monte quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu. Et je verrai ça la prochaine fois. En tout cas, je sauvegarde pour le moment. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, je ne sais pas pour le moment. Nous sommes toujours en guerre contre les Azeraïs. Je me demande si on ne devrait pas liquider quand même Sanala, mais ça va disperser un peu les troupes ennemies. Ils ne seront pas tous tués, à moins qu'on les fasse tuer, mais ça j'aimerais éviter pour éviter de que mon personnage devienne un psychopathe. Pas trop envie de ça pour le moment. Il y a les Cusades qui se font attaquer par là-bas. Je ne sais pas par qui. Et puis voilà, hein, je veux dire, j'ai quand même un grand terrain. À partir d'Ascar jusqu'à Razi, sans compter le château de Sahel. Mais j'ai récupéré quand même pas mal. Ici, on a 3504. Donc, on est quand même bien. Pour celui-là, pour le moment, je ne gagne rien encore. Donc voilà, en tout cas, on verra la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !